nous avons trouvé un. Ah oui, bah là on n'est pas le jour. Ça. Donc nous avons trouvé un arbre du Wither que nous avons coupé. Voilà, et nous repartons vers le. Ferry Dragon. Ferry Dragon. Le bateau fantôme. Le bateau fantôme Ferry Dragon. Et voilà, bon, je te suis. Ah, on le voit là, le bateau. Vous voyez là au loin ? Oh, il est magnifique. Il est très très effrayant surtout. Ouais. Surtout que il est complètement délabré, ouais. Il est, pourquoi, ouais. Pourquoi il est plein de mousse ? C'était surnommé le bateau fantôme sur le livre que nous a donné, enfin qu'on a décrypté là. C'était marqué bateau fantôme. Ah ouais, d'accord. Donc, okay. Merde. Lui, il est maudit de base. Ah, la malédiction a cassé mon bateau là à l'instant. Ah, mais toi, on va pouvoir on va essayer d'aborder. Il y a un orc. Ouais. Il y a des échelles. Il y a l'air d'avoir des échelles. Attends. Je saute à l'eau, prenez mon bateau, ma chérie. Non, c'est bon, je vais prendre les échelles. T'inquiète. Ouais, il y a les échelles ici. Alors, est-ce qu'on est bien. Donc, normalement, c'est le Fiery Dragon, si je me suis pas trompé. Oui. Allez, j'arrive avec mon épée. Oh mon dieu, j'ai peur. Ça va, c'est le jour s'est levé déjà. Courage. On dirait la jungle dessus, tellement il y a plein de d'algues et de mousse et de. Et ça va, il n'y a pas trop de monstres. De pirates maudits. Pirates maudits, non. Voilà. Là, par contre, il y a de l'or dans les coffres. Ouais, il y a de l'or. Mais alors, attendez, je vais m'occuper avant de. Hâte. Prendre son courage. À demain. Ça va, on a réussi à aborder sans trop de dommages. Par contre, je sais pas comment on fait pour aller là-haut. Ouais. Même si de l'abordage n'était pas facile. Ouais. Alors, regardons un peu dans les coffres, ça a l'air plutôt vide pour l'instant. Ouais. Non, bah, c'est vide, ouais. Dehors ici, mais bon. Il y a un moyen d'accéder à ces cales. Hein, comment on fait pour accéder? Le vol est complètement déchiré. Vraiment, c'est le bateau. L'air fermé ici. Ouais. Mais ça doit être un moyen d'accéder. Pour accéder ici. Ouais, à mon avis, ouais. Peut-être un endroit, je sais pas. On va essayer de cliquer. Appuyer. Oh là! D'accord. Hop, c'était ouvert ici. C'était ouvert ici, c'était une porte. Il y a un passage. Ouais. Ma chérie. Oui. Venez. Oula, attention. Attention derrière nous. Oh là, il y a une araignée géante. C'est bon, elle est morte. J'ai trouvé. Oh. Une glaive démoniaque. Ouais, c'est maudit ici, hein. C'est ça. Et un pic. Des tonnes de potions de soins. Ah, ça on va récupérer parce que. J'ai trouvé une hache ici et des potions de force. Par contre, je vais peut-être pas pouvoir toutes les prendre. Attends, pareil, je vais j'ai. Mettre ça dans mon sac. Moi aussi, j'ai un sac. Des potions. Et il repartagera plus tard. Ouais. Je vais prendre avec moi une potion comme ça de force et une potion comme ça de soins. Et les coffres que j'ai fait parce que sinon. Je pars tout de suite une potion de force. Allez, je vais descendre en bas. Il n'y avait rien par ici. Ah si, vous l'avez fait. Il y a des tonnes de potions de soins, prenez-les. Hein. Ouais, je vais mettre ça dans le sac. Oulala, oulala. Ça attention, va, ça va. Prenez pas trop de risques lors de Knut, attendez qu'on soit. Ouais. Je suis courageux, même un peu téméraire en fait. Ça va? D'accord, ah vous êtes là, ah oui, oula! Attention à vous, hein. Il faut voir briser là, la malédiction rapidement, ouais. Ouais. Voilà! Ouf, des explosions! Pas de quoi la briser, non, je n'ai pas de quoi la briser, c'est bizarre d'ailleurs. Et d'éclairer un peu. Ma chérie? Oui? Pouvez-vous descendre? Est-ce que vous avez des outils? Bien sûr, j'ai plein d'outils, j'ai tout plein d'outils, moi. Ah, pour les casser, oui. Cette cale. Attention derrière vous. Heureusement qu'il y a un petit peu de. Ok, d'accord. Ah oui. Ouh là là. Ouais. Ouh là là, ça fait hyper mal, ouais. Non, non.
Bon sang. Il y a d'autres choses à casser là, c'est bon? Ouais, celui-là. Ok, il y a un coffre là-bas. Il y a encore un étage. Un truc plus bas, mais on ira après. Hein. Encore plus bas, ok. Cool, là. Ouais. Allez, moi, il faut que je me requinque un petit peu. Et je jette des choses qui ne me servent pas. Ouais. J'ai trouvé un coffre. Avec plein de choses dedans. Les clés. Par contre, avez-vous de l'eau potable? Oui. Ah si, si, non, il m'en reste un peu en fait. Mais alors le problème, c'est que j'ai pas réussi à purifier l'eau de ma cantine, mais ça va. Ça ira, je pense. Vous avez trouvé un coffre alors? Oui. Qui est-il dedans? Ah. On dit, il faut prendre tout ça, je pense, ouais. Ça pourra servir, on pourra l'utiliser prochainement. Ouais. Ok, bon, je les prends. Là. Ouais. Peut-être un coffre qui contient des cartes. Ah oui. Ouais, parce qu'il nous en manque encore beaucoup. Hein. Il y a encore un étage plus bas, je pense. Oh oui, il y en a un. Ça va être très compliqué. J'entends du bruit. Il y a quoi dans ce coffre, Miss Kata? Beaucoup de pages d'accord. D'enchantement et des clés, ouais. D'accord. J'ai tout mis dans mon sac. Oh, c'est très bien. On partagera plus tard. Ah ça, oui, voilà. Voilà. Alors, on descend. Ouais, essayons de... Je suis prêt. Chacun d'un côté, on dirait qu'il y avait un passage. Ouh là là. Ouh là là, c'est vraiment l'enfer ici. Je remonte. Il faut prendre des potions. On a des potions de force. Oui, effectivement, c'est vraiment l'enfer. Capitaine, remontez. Ouais, je remonte. On va se protéger. Knut, reste ici. Ouh là là. Il y a des potions à prendre. On est là venu ici justement pour s'équiper et pas pour. Potion de soin, potion de force, potion de résistance au feu. Je sais pas si on va en avoir besoin, peut-être pas. Non, je pense pas, mais je prends une potion de force. Une potion de force. Voilà, déjà. Je ouais, moi j'en ai une, oui, j'en ai une qui est active. Et une potion de soin. Où il y a des potions de régénération qui ont l'air bien. Ah, potion de régénération, ça m'intéresse. Ouais, voilà, moi je me prends une potion de régénération. On y va? Allez. C'est parti. Ouais. Ok. Je vais attaquer de l'autre côté alors. Ah. Oula, Miss Kata se bat. Oui. Ma chérie, attention à vous. Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Très bien. Ah. Attention à vous. Hein. Ouais, on y va. On a réussi. On a réussi. Bravo, ouais. Allez. Bien joué. Bon, j'entends des attention. Des baleines ou je sais pas quoi. Oula, encore un là. Ouais. Oula, là, je vais le faire avec mes flèches. Ok. Des tonnes de. Ici, il y a une magnifique armure. Hein. Bah, je pense qu'il va falloir s'équiper, ouais. J'ai pris. Et j'ai pris. Alors, il y avait des armes démoniaques. Ah oui, moi j'ai une hache. Et des fioles d'expérience. Dans les coffres derrière. D'accord. Super. Là, quelqu'un de vous devrait s'équiper de cette armure qu'on enchantera par la suite. Ok. Je le fais moi. Comme tu veux. Knut, ouais. où tu la veux. Oh les. Oula, tu as l'air vraiment d'une... Ouais, mais quand on voit comment on démon. Souffre pour nous battre quand ces pirates maudits, je dis qu'affronter Barbe Noire, on aura vraiment besoin de ces habits, quoi, enfin, de ces protections. Tu la veux, Knut, cette démoniaque? Ah, pourquoi pas, ouais. Tiens, je te la donne. Alors, j'ai les outils qui vont avec. Moi aussi, je vais te les donner. Les outils? Enfin, des armes. Faudra que tu choisisses. Ah non, attends, est-ce que je vais mettre ça là? Ouais, je vais mettre ça ici. Le coffre a été ouvert ou pas? Pas encore, j'y vais. D'accord. Non, c'est pas. Si vous avez de la place lors de Knut. Pourquoi pas, Je vous laisse.
choisir parmi ces armes qui font partie, on dirait, de, ah oui, de cet ensemble. Ah bah, ouh. Ouh, d'accord. Oui, elles sont vraiment très très efficaces. Alors là, ça va être difficile de choisir. Hein. Ouais, mais je pense que... Au moins... Oh, oh. Vous êtes sûr que vous en voulez pas aussi? Parce que j'ai l'impression que c'est les plus efficaces qu'on ait trouvées. Hein. J'en ai une. Regardez très ce qu'il y a bien, dans ce coffre. Ah, du diamant. Très bien. Deux cartes du trésor. Alors, je vais déplacer ça peut-être dans un autre sac. Avec un talisman qui nous permet de courir plus vite. Ouais. Et une épée pour vous, Lord. Knut, il y a encore une épée. Une épée dans le coffre là. Ah, bah j'ai une très très bonne épée déjà, moi. Plus des fragments de cartes. L'important, c'est les fragments. Ah oui. Ceinture. Un talisman, ouais, une ceinture. Ça permet de courir plus vite. Alors, ça, je peux vous la laisser par contre. Ouais. Ouais. Ah, je cours vite, ça va. Alors, je la prends moi. Oh purée, toutes ces armes démoniaques, ouais. Vous avez récupéré les morceaux. Vous êtes sûr qu'utiliser des armes démoniaques n'est pas mauvais, d'une certaine façon? Je pense pas, de toute façon. Allez, je jette ça, on en a pas besoin. Ouais. Hop, je vais transférer toutes ces choses dans mon sac ici, ce sera plus facile. Écoutez, je pense que maintenant on commence à être protégé. Il faudrait que du coup on a rapidement on fasse le dernier encore un bateau. Ouais. Comme ça on aura nos équipements. Et on pourra enfin aller combattre. De toute façon sur notre route on essaye de trouver encore pour faire notre dernière clé. Une fois qu'on a 4 clés. On n'est pas obligé d'ailleurs parce qu'on a déjà 2 ou 3 clés déjà. Oui. Carrément. Donc on pourrait déjà attaquer le château de Barbe Noire, ou un des 4 châteaux, puisqu'on a les coordonnées. Mais il nous faut quand même un dernier équipement, parce que Miskata n'est toujours pas équipée, ou c'est Lord Knut, je ne sais pas. C'est moi, c'est moi. Ouais. Donc je propose qu'on aille faire rapidement dans la journée encore un dernier bateau. Ouais. Lord Knut, est-ce que je pourrais, si vous vous équipez du démoniaque, est-ce que je pourrais prendre vos armures, votre armure? Parce que la mienne est un peu usée et... Oh, glace. Et fatiguée. Ok, oui, aucun problème. Ouais, je vais vous la donner. Allons c'est faire le Warwick. Ouais. C'est parti. On ressort d'ici. Attention. Attention. L'endroit n'est pas totalement sécurisé encore. Non, mais de toute façon, on s'en va maintenant. Fini les enfers de ce bateau. Ouais. Le bateau démoniaque. Démoniaque, tous ces. Ouais. J'espère que porter cette armure ne va pas me porter préjudice, hein, parce que... mais en tout cas elle a l'air vraiment efficace pour se défendre. Mais c'est vrai que là plus les potions vous je pense êtes que... vous êtes équipé avant moi, hein. Pas dire, mais... c'est vrai qu'on n'a pas été très galant sur ce coup. Vous avez été un peu des je peux dire un gros mot. C'est vrai qu'il faut laisser les meilleurs Effectivement, on n'a pas été très très galant sur le. La sur prochaine le fois, Aldé, tu mets l'armure rose bonbon en premier. Allez. Allez, go. Go, repartons sur les mers. Ouais. Go. Ah. C'est parti. Et où mon bateau? Je vois pas. Ah, il est là. Allez. En route vers le dernier navire qui s'appelle Warwick. C'est vraiment l'enfer celui-là. Warwick. Allez, en route vers le Warwick. Non, il faut vraiment que maintenant on soit équipé. Il reste plus que Miskata à armer. Ouais. Oui. Et ensuite. Ce bateau est magnifique avec ses... Normalement, c'est le Warwick. Oh, ça commence très bien. Ah, un petit accueil sympathique. Et bien joué. Bienvenue. Hop, excusez-moi, je vous ai coupé la route. Hop. Est-ce que vous avez une... Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah bah, c'est des... Alors, plus petit ce bateau, on devrait être un peu plus tranquille. Derrière le pont. Oh. Ah, ça. Les canons marchent encore. Hein.
Il y a des armes en mitril ici. Attends, j'arrive. J'avais vu un... Ensemble. Il y a des canons. Ouais. Ah ouais, effectivement. Bon, je vais prendre. Oui. Jamais. Ici, il y a une pièce avec un lit. Tout ça, c'est vide. Alors, on va aller dans le même... Ouais, par là. Une pièce à gauche. Ouais. Oh, il y a plein de coffres ici. Ouais. Bah, d'accord. On va les ouvrir. Oh, un coffre. Oh, il y a une armure. Une armure ici. Ah, bah oui. Voilà. Ça sera pour vous. Génial. Ah oui. Ça a l'air d'être super bien. Alors, attends. Alors qu'elle a des de bonnes protections. Voilà. Oh, toutes les protections qu'elle a. Ah oui, ça va voir avec ce que je porte actuellement. Hein. Ouais, voilà, ça on sera par contre, il y a aussi un coffre là qui pourrait. Level, hein. Ah, par contre, je vais avoir très très soif là. Ok. Un de chauve-souris. Et ah. Allez, je vais ouvrir le coffre quand même. Tu as mis ton ancienne armure ici? Oui, je l'ai posé directement. Attends, je vais garder le casque du moussaillon quand même parce qu'il permet de respirer sous l'eau, on sait jamais. D'accord. Oh! Waouh! Alors, qu'y a-t-il dans ce coffre? Dans ce coffre, il y a une super épée pour moi. Ah! Qui va avec mon armure ainsi qu'un talisman. Elle est plus que magnifique, oui. Et deux cartes au trésor. Deux cartes, ça je les prends, ouais. Et encore un talisman qui permet de courir rapidement. Ah, okay. Ça c'est vraiment pratique, ouais. Ça peut être pratique, ouais. Et bah, moi je l'ai déjà. C'est moi qui cours vite là. Prenez-le, Lord de Knut. Ok, je vais le prendre. Je vais ranger les deux cartes. Alors, des cartes là, on en a 18, plus les 4 qu'on a déjà installées, ça fait 22 cartes sur 30. Et ben justement, après, de toute façon, on va aller. La crypte, pas tout de suite. Miskata, vous avez pas avez pris tout le... Ah oui, ça c'est l'ancien. Ah oui, ça c'est l'ancien. Ah oui, alors par contre, il va falloir que je choisisse entre être protégé par les viseurs ou être, je crois... Ouais, c'est ça, c'est un choix que je dois faire entre Et tant qu'on n'a pas les clés, je pense que c'est le viseur. D'autant que, d'après ce que j'ai compris aussi, les calices sont protégés par des espèces de sorts du même type. Nommés viseurs, ouais. Je vais ranger ça alors, ici. Très bien. Ah, des monstres nommés Wither. D'accord. Ok. Très bien. On va visiter. Alors là, ici, il y a une autre... Il y a une autre porte. Oh, Knut. Ouais. Viens voir ici. Salle des coffres. Ah, oui. Ten, viens voir. Ah, oui. Ouh, avec des lames un peu maudites. Ah, une hache en mitril. Je sais pas si ça peut t'intéresser. Okay, il y a beaucoup d'armes. Je vais essayer de descendre en bas, je le sens. Je sens que ça va être... J'ai comme l'impression qu'en bas, il y a... Ah non, ça peut aller. Ah, ici, attention. Je vais ouvrir là. T'es prêt? Ah! Oh là là! Ouais. Oh là là, la malédiction, c'est bon. On est venu à bout de la malédiction, j'ai l'impression, mais ouais, j'entends encore beaucoup de bruit, donc à mon avis il y a encore clairement il y a encore des menaces. Ah, ça par contre ça c'est très bien. Est-ce que vous avez de la nourriture? Ça peut toujours être utile aussi. Je récupère aussi des fioles d'expérience. Enfin, qui permettront de faire un peu de magie peut-être tout à l'heure. D'accord. Je vais les ranger à l'abri. Je vais pas les utiliser sur moi, en fait on verra qui en aura le plus d'utilité.
ça peut servir aussi. Capitaine, tu vas bien? On descend encore plus bas, il y a plus bas ou pas, non? Oui, pardon, il reste encore une cale. Mais je sais pas s'il y a grand chose, mais bon, faut qu'on se la fasse. Ouais, alors ouais. Descendons. Ok, allez, ouais. On descend. Allez, c'est parti. Courage, prenons le courage à demain. Courage, encore les amis. Ici, cet endroit. Oh, purée. Chérie, je vois rien. Allez, chérie, je ne vois plus rien. Avancez directement. Mais non. Chérie. Mais quoi? Tu vas mourir. Mais non. Allez, on va mourir. Maintenant, on a des protections. On peut, je pense. Il y a encore un coffre, effectivement, avec des clés. Protection, mais ça ne va pas forcément apporter. Ah oui, oula. Bravo, attends, en tout cas. Attention. Oui, il y a un chat. Un squelette de chat qui m'attaque là. Oui. Voilà. Ah, attendez, ça faut le casser. Ah, il y a un coffre là. J'ai eu peur, hein. J'ai eu peur pour vous, j'ai eu peur pour moi. J'ai quand même été blessé malgré cette très très bonne armure que j'ai. Ouais, moi aussi un peu, mais ça va. Ok, plein de... Encore, plein de clés, d'enchantements et de diamants. Alors... Qui s'occupe de prendre? Ouais, je prends après. De toute façon, on se répartira après. Je prends les plus intéressants que je connais d'enchantements. Moi, les rigueurs, je prends tout le reste. Ah. Ouais, après, est-ce qu'ils sont importants? Je ne sais pas. Chute amortie, peut-être, oui. Ah, oui, chute amortie, oui, c'est pas toujours ça. Fortune 3, oui, c'est... Mais bon, ça... c'est, ouais, c'est pour faire fortune. Ouais, c'est pas mal, ça, en même temps. Mais... Et le grid... Ouais, ça, c'est pour les gens cupides. Prenez-le, ouais. Capitaine. Ça augmente ça augmente l'XP. Ouh là là. Hein? En expérience. Ok. Poste allez. La somme est froid, voilà. Bien. Allez, on remonte, on se repartagera les trucs une fois arrivés sur aux abords du château de Barbe Noire. Oui. Je pense que sur notre foulée, là, je pense qu'on est équipé, on est armé. Ouais. Non, ça devrait être. Ouais. D'aller récupérer ce premier calice. Vu qu'on a une clé. Parfait, allons-y. En plus, il est midi, dépêchons-nous. On va, c'est... on va naviguer vers le premier château. Pendant. Hop, ça. Tata. Je suis là. Si tu jettes ça là, on va tous le récupérer. Est-ce que c'est malin? D'après toi, est-ce que c'est malin? Allez. Oh, faisons quelques petits bateaux. Allons-y, ouais, c'est parti. C'est... Là, on est vraiment motivé. Ben voilà, tu l'as récupéré. Je me suis fait un petit bateau. C'est bon. Hop, c'est parti. Ma chérie, tu as un bateau? Oui. Un peu bon. D'eau. Là, je me refais un petit peu d'eau. Voilà le château, celui-là ouais. Qu'on avait déjà vu, où on avait déjà été. Ouais, le château de Barbe Noire, donc... Où il y avait les coordonnées de la crypte indiquées. Donc on est déjà allé, donc ça devrait être un peu plus calme. Mais on n'avait pas trouvé de calice. Non, par contre, donc va falloir fouiller ces ruines. Ouais. Et trouver le calice. Peut-être un passage secret. Là, je sais pas, on va essayer de trouver. Là. Ouf. Ah, ça a l'air de descendre un ici. Puits vide, desséché. Torche. Il a l'air d'avoir un truc pour descendre ici. Ouais. Et pas à la surface. Ça, c'est Willy Bones qui nous parlait des canis. Oula. Clairement. On va essayer de pas trop s'éloigner les uns des autres. Ouais, suivez-moi, je crois avoir trouvé. Où est-ce que j'avais vu? Non, c'était pas là. J'avais trouvé. Des escaliers pour qui permettaient de descendre dans des sous-sols ice. Ici, y a un on peut sauter ici en même temps. Ouais, j'avais vu aussi qu'il y avait. Ouais. Oula, il y a des. Oh là. Oh, merde. Ici, j'ai vu quelque chose. Il me met le feu, lui. Oula là. Capitaine, okay. Vous êtes où? Ouais. Je suis dans les entrailles, mais ça va. J'ai trouvé quelque chose.
Ah, j'arrive. Oh. J'ai trouvé quelque chose ici. Heureusement que qu'on a notre talisman, je pense, parce que... Regardez là, il y a du sang. Ah, effectivement. Oh, ah bah j'ai voulu mettre une torche, ça a ouvert. On va éclairer les alentours. Et... C'est un passage secret. En mettant, en voulant mettre une torche, c'est vraiment le hasard. J'ai trouvé un trou. Okay. On fait, on y va. Heureusement qu'on a nos talismans. Ouais. Tu vas. Ouais, c'est peut-être pas par là. Heureusement qu'on a le talisman. Ça nous affecte, quand même, hein. Mais. Oui, mais très peu. Très peu. Allez, voyons si c'est ici que le. Il y aurait un calice. Je vais en premier, vous me suivez ? Oui. Allez, c'est parti. Cela ne dit rien qui vaille. C'est le Fiery Dragon. Hop là. À l'abordage. Et beau ce bateau. Alors là, si peut-être. Ah, si, il y a des échelles là. Il y a des lianes. Ouais. Oh, le pauvre. Eh, j'ai de la pitié pour lui, non. Eh oui. La pitié. Regarde. Est-ce que quelqu'un a une hache ? J'en ai une, hein. Qu'est-ce que tu voudrais hacher ? De poudrage ! Merde ! Bidou ! Chérie, mais plus sérieux ! Viens m'aider ! Viens m'aider ! Mais arrête ! Mais non, pourquoi t'as fait ça ? T'inquiète pas, j'ai un game mode. Regarde, je peux m'envoler. Oh, oh bah voilà ! Alors une super épée. Oh, c'est bon. C'est mal. T'as eu peur, à vous, t'as eu peur. C'est mal. T'as eu peur que je perde. Ah, c'est dur d'aller à l'abordage. C'est vrai que leur système d'embarcation est pas très pratique. Non mais qu'est-ce qu'il y a ? Petit cochon. Ah c'est... Regarde ! C'est des petits cochons pirates. C'est vrai ? Ils sont trop mignons. J'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. Et je crois qu'il faut sauter. Ah zut ! Je suis pas sûr. Je crains qu'on n'arrive pas à attraper notre... Ah si, il faudrait peut-être sauter. Oh là, mais pourquoi je suis empoisonné ? Ah, mais j'ai soif. Non. Ah là là. Des petits cochons pirates. J'avais pas vu les cochons pirates. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'animaux sur cette map. Oh, chouchou. Oh là, c'est vrai que j'entends du bruit. Vous arrivez à monter, vous ? Oui, par ici. Ouais, mais c'est pas idéal. C'est bloqué après. Ouais. Là, est-ce qu'on peut passer là ? Ouais. Oh, effectivement, mais on arrive directement dans la coque. Oh, purée ! Il est tombé dans le trou. Ah, j'ai juste de quoi nous défendre un peu. Oulala. Oulala. Ça va ? En game mode. J'ai du saumon cru, je sais pas, je suis rentré dans un saumon, quelque chose. Je suis rentré dans un saumon. T'as pas tué une baleine ? Si je tue une baleine, j'aurais pas du saumon, j'aurais une baleine. Non ? Il faut casser le bloc au-dessus de vous. C'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Ça peut nous aider si j'arrive à casser cette planche. Au-dessus. Oh purée, non. Bon, et normalement après, vers la gauche. Voilà. C'est bon, j'y suis.